Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale où on va voir de nouveau la nouvelle unité. Bon, l'artificière, c'est une carte qui coûte 3, qui est commune, qui est une carte de support à distance. Donc évidemment elle rentre dans plein de decks, c'est pas comme si c'était une nouvelle win condition, un peu comme le golem d'élixir. Là on a l'occasion de vraiment faire une variété de decks, de l'avoir dans un peu tout. J'ai contacté un petit peu le Twitter Game pour leur demander qui avait un deck, qui était chaud, etc. Walouf m'a répondu, il a fait 12 avec un deck que Morten a créé hier. Et vous allez voir ça tout de suite, bienvenue à toi Walouf. Merci de l'invitation Nakiva. Ouais, on a... J'ai copié le deck de Morten, j'ai essayé de faire des filles, et j'avoue que du premier coup on a fait 12 victoires avec un deck intéressant, un petit lockbait avec la princesse et avec l'artificière, et franchement ça se complémente assez bien. Et donc voilà, il a fait une vidéo sur sa chaîne, donc je vous invite à aller checker, c'est juste en bas, vous avez juste le lien, la petite, pap, le petit lien direct la chaîne JRM Thomas, Walleouf. Il a fait une vidéo où il explique ses 12 victoires en super de filles dessus, et nous ce qu'on va faire, ça va être des parties en live, où on va un peu plus parler du deck, voir des gameplays, etc., en partie en direct. Donc là c'est sûrement du Pékin face, donc c'est une version que Morten a créée, mais en gros c'est la version avec le mortier, fripon, prince, où il y avait le dart gobelin qui a été remplacé par l'artificière, et c'est vrai qu'elle marche vraiment bien dedans, parce qu'il y a déjà un aspect bait sur les flèches, etc. dans le deck, et en plus c'est une carte qui est très très dure à gérer, hein. Si t'as pas justement des sorts pour la chercher, elle peut faire beaucoup de value, exactement comme la princesse. C'est un deck qui se cycle bien, qui est agréable à jouer en plus, et là il part en full à gauche, mais t'as quand même pas l'élixir. Tu vas mettre une bûche en plus, je pense. Ouais. On va mettre le prince. Oh, ça prend pas le sorcier électrique, my bad. Ouais, il va prendre tarif, le prince là. Il va mourir. Ouais. Oui. Ouais, du coup, okay. Tu prends un coup d'électro normalement. Ça va, ouais, ça va, une frappe, ça va. Vous avez autant d'élixir Ouais, je suis assez bien contre le PK. Je suis assez bien. J'ai affronté 3 fois dans le dernier super défi, j'ai gagné 3 fois. Mais ouais, en plus, ça joue pas de bûche ou de ouais, fût, donc bûche. Les fûts vont forcément. Ouais. À chaque fois connecté. Exactement. Un minimum en tout cas. Oui, c'est une version où il a remplacé l'archer magique par la firecracker et il a... Ouh, un pêcheur. C'est vrai que le pêcheur a été up, hein. C'est vrai qu'on l'oublie ça. Bah contre ton deck, ça sert pas à grand chose pour le coup. Mais... Oui, effectivement. C'est ça, maintenant il a une partie de hook de 7 cases. Mais il est très long à taper quoi. Ouais. Qu'à gauche elle meurt. Donc si elle est laissée seule, hein, elle met qu'un seul coup hein, sur la tour. Donc là, vous voyez, elle est laissée seule aussi. Hein. Ah, il a 2 d'élixir. 3. Moi, je mets double push là-dessus. Oh, ça va être tellement dur pour lui. Le deck est capable de mettre beaucoup de pression double lane aussi. Hein. Ce qui est vraiment dur, c'est les princes, hein, par exemple. Ils sont capables de prendre la tour tout seul. Exactement comme là, vous le voyez. Après, ouais, il disait qu'il aime beaucoup même. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est nouvelle ou. Mais tu disais que t'aimes beaucoup recycler l'artificière. L'artificière, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas vraiment de flèches, et même s'il y a des campes pour la gérer, bah, elle fera toujours un minimum de value, tu vois. Genre, même s'il y a des flèches, parce que bah, il a quand même une princesse à gérer avec les flèches, un gang, des fripons, l'artificière, un fût. Donc, ça lui demande beaucoup, beaucoup de réponses, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est une carte qui est difficile à ignorer, mais en même temps difficile à aller chercher, donc c'est vrai que ça. Exactement. Dès que t'en as une ou deux sur le terrain, c'est très compliqué. Hein. Donc là, t'as le gang hein, pour gérer la PK. C'est vrai que le match-up, c'est compliqué pour lui. Hein. En plus, ouais, son pêcheur va pas lui servir à grand chose. Exactement, du coup on va mettre la pression tranquille. Oh, on a aussi le comment dire, le pass à farmer. Hein. C'est important, hein. Faut faire le pass royal, c'est parti pour le être, coucou. Ah, les dégâts qu'elle met. Mais là tu vois, tu rajoutes à chaque fois dans le pocket, donc tu bloques avec les autres unités, il peut pas aller la chercher. C'est ça, c'est incroyable la carte. Hein. Tellement fort. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Après voilà, il faut avoir le deck avec lequel elle s'intègre bien, parce que bah tu genre, c'est ce qu'on en parlait justement hier avec Nakiva sur son live, et le problème c'est que si tu la joues dans un deck cimetière, si tu actives la tour du roi, bah, on sait très bien qu'avec cimetière, la tour du roi activée, c'est pas ouf, donc c'est ça, j'avoue qu'il y a certains archétypes, elle ne rentrera pas. Je l'utilise vraiment qu'en défense, quoi. Ouais, et puis sur un fil de gobelin, c'est quand même moins gênant que sur un cimetière, hein, quand c'est activé. Exactement. Donc de nouveau, Pékin, enfin, c'est beaucoup de Pékin, c'est incroyable. Parce que c'est pas non plus un archétype qui gère bien la carte. Hein. Ok, on met une princesse sur l'autre côté. Ouais. Nickel pour gérer. Okay, là, bah voilà, parfait. Hein. Bûche, hein. Ouais, c'est ça, petite bûche. J'ai pas pris la voleuse, my pad. C'est pas grave, non, c'est vraiment pas gênant. Les fripons, de toute façon, ils sont tranquilles. Oui, enfin, les fripons, c'est tellement fort. C'est incroyable cette carte. Hein. Tu joues un tank et des DPS pour 5 d'élixir, c'est ouf. Ouais. Alors là, tu vas mettre beaucoup de dégâts. Donc, c'est la version classique. Hein. Cette fois-ci, là, ils ont pas remplacé par l'artificière. Ok, c'est un peu embêtant ça. Ouais. La DF est pas mal, ouais, tu reprends à gauche au gobelin, ouais, ça va, ça va. Je vais essayer de gratter l'archer, c'est pas grave. Il va mettre 3 coups. 2, ça va.
Et là, il est obligé de remettre un truc qui va l'embêter. Hein. Ouais, il est obligé de mettre le bélier, ce que j'allais dire. En fait, c'est soit il mettait le bélier, soit il se laissait gratter. Ouais, on va le jouer comme un archer magique. Hein. Je vois ça, je vois ça. J'essaye, j'essaye. On teste des choses. Un coup, ça va, lui met un coup. Ok, bon, après, il a 4 d'élixir, t'es toujours devant. Ouais. Bah là, en plus, il va devoir redéfendre, genre avec sorcier électrique ou je ne sais quoi. Je pense, Ah oui, ouais, l'archer. archer magique. Mais c'est bien, ça, bien joué de sa part. Ah, mais là, voilà, tu vas remettre des bons dégâts. Hein. Tu mets au moins 300 dégâts là-dessus. 500, 600, 700, 800. Pff. Je pense que je vais essayer de gratter l'arche magique, je mettrai juste un Ouais, point. ouais, ouais. Je sais pas si, comment tu gères la voleuse ou un gang, tranquille. Hein. Ouais. Non, ça, je laisse connecter l'archer, ça gratte un peu, mais c'est pas Puis vous avez officiel. autant d'élixir, hein, t'es vraiment bien dans la partie. Hein. Oi, oi, oi. Hein. Ok, Là, il n'hésite il y pas a à gratter peut-être un une peu PK parce sur qu'il mon peut aussi compte. passer à portée de roquette. Hein. Pour rappel, ça joue roquette C'est le ça. deck. 430 de dégâts, hein, c'est beaucoup. Oi, 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 oi. Ça lui coûte tellement mon cher. Ouais, une petite bûche qui finit, parfait. Après, elle esquive aussi le dash de la voleuse, elle. On en vient. C'est vrai. J'aurais pu roquette là, j'avoue, mais bon, bah c'est cure. Ouais, t'inquiète, tranquille. De toute façon, t'auras largement le temps de refaire une roquette après. C'est ça. Après, faire gaffe quand même un peu l'archer magique, mais c'est bon, là, tu le gères à la bûche. T'as vu l'artificier Aïe, quand aïe, aïe, les dégâts qu'elle lui a elle a mis, mis c'est une incroyable. vitesse. Oh! On a juste à roquette, c'est fini. Ouais, il pourra jamais te finir, attends. GG. GG. Mais tellement easy, genre tu les gères, mais d'une facilité incroyable, en tout cas. On en verra plus cette saison, donc bon, on est content. Donc là, on est sur un Arc-X potentiellement en face. Ouais, c'est possible. Ça peut être dur, ça. Hein. Ah, bah Ah, non, en fait. poison. C'est quoi, c'est Ok. cimetière, du coup? Cimetière ou alors un deck grattage mineur. C'est possible aussi, ouais. Ah, bah tiens, Ah, l'artificiel ouais, aussi. ça m'étonnerait pas qu'il y ait un mineur là-dedans, du coup. Yes, yes, yes. Le petit fût. Donc qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a J'aimerais bien une qu'elle bûche? Ouais, il a recule. une Ah, bûche, ok, hein. il a une Ouais. bûche aussi. Ok. Quel mineur? C'est bien ça, hein. C'est bien du grattage mineur. Mais du coup, tu pourrais limite ouais, activer. Ah, ça Ouais, pourrait. j'aurais pu activer le temps du roi. Ah, oh, c'était pas loin, hein, déjà. Elle l'a raté. Ouais, elle a Elle l'a raté. raté. Ouais, c'est vrai, il a mis 0 dégâts, c'est incroyable. Ouais, il y a On a encore vu que beaucoup de contre mineur, bots je comme galérais un ça. peu quand même. De quoi? On a vu que contre mineur, je galérais un peu avec le deck. Ouais, c'est ça. Mineur, c'est compliqué. Surtout avec les bûches et poisons, ça te met de la pression constante, ça gère les gobelins, le poison est fort, il a des squelettes pour gérer le prince, il a la bûche pour gérer ton gang. Enfin, il a tout, quoi. Il peut gérer ton fût ou autre à la bûche. Enfin. Il a vraiment un bon match-up ici. Hein. Ça va être très dur de passer. Hein. Le prince, il aime vraiment pas ça, les squelettes, ça fait tellement de value contre toi. C'est Et après, il peut ça. te gratter en permanence. Enfin, vraiment, Bon, c'est très hard. s'il le joue parfaitement, ouais, ça va être dur. Ouais, je te laisse tryhard. Ok, on va mettre l'artificier en fond de map à droite pour éviter une value poison à gauche. Yes. Je vais faire ce souci, hein, c'est vraiment pour éviter une value. Ok, parfait. Ah, il a activé la tour du roi là, bien joué. Ouais. GG à lui. Bon, ce positionnement marche, mais comme plein d'autres, hein. Pour ceux qui se questionnent, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais bon, dans tous les cas, si vous faites proche de votre tour et que vous n'êtes pas trop, ça marche bien. C'est pas très compliqué de l'activer. Exactement. Ouais, c'est tellement dur le match-up. C'est malin ce qu'il vient Oui, il l'a fait reculer. de Il va remettre les squelettes, hein. Ouais, il teste sa squelette. Enfin, vraiment, pour moi, c'est du very hard counter. Après, tout deck a ses contres, hein. Faut bien qu'on ait, hein, mais. C'est ça. Oh, ça l'a pas tué qu'elle a reculé. Mais en soi, le deck en face, c'est pas mal, hein, je trouve aussi. Ouais, intéressant, clairement. Avant, il y avait. Enfin, c'est un peu une revariante, si on veut, du mineur de Byrath sans électro avec ça. Tac. Et avec Chevalier au lieu de Valkyrie. Chevalier est en forme en ce moment. Ouais, je trouve qu'elle est pas nulle non plus dans les trucs mineurs. Non, clairement.
Voilà, de toute façon, tu peux rien faire, t'es en train de subir. Après, j'ai déjà pensé ça quand tu jouais et t'as déjà réussi à faire des remontadas de malade, mais. Ça va quand même être Non, chaud. x3 quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, faut être 3 maintenant. C'est ça. C'est parti. Il va remettre un poison. Ah non, ok. Il la joue différemment. Intéressant. Ok, poison maintenant, mais du coup, il fait pas énormément de value son poison. Ah, oh, il y a un gobelin qui survit. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, le prince aussi. Oh, aïe, aïe, aïe. À gauche, ça a mis tellement de dégâts. Oh, faut qu'il rate, faut qu'il rate. Si, messieurs, mais non. Mais Mais est-ce non. qu'on n'est pas le dieu du x3 Mais ça sort d'où? What the fuck? Mais comment t'as fait? En fait, J'ai vu qu'en fait, il s'est bu bêtement. tu peux arriver, mais au dernier pourcentage de tes points de vie sur la tour, tu fais non, c'est bon. x3? Bah, c'est parti, let's go, je n'ai Et plus bah, de c'est vie. ça, c'est ça. Oh, aïe, aïe, beaucoup Bah, trop tu vois, alors, en fait, il chaud. était vraiment acculé. Ouais. Genre, full def et tu mettais H24 la pression. Mais quel joueur de x3, quoi. C'est ça, deuxième super défi avec le deck, hein, dites-vous. Hein. C'est même pas genre en mode j'ai déjà joué le deck Ouais, c'est France de ça. base. Non, j'ai même pas de. Même pas Genre, genre, j'ai tu vraiment la fait que mettre tryhard de des la heures et dé. des heures. Oh! Oh, C'est intéressant, quoi tiens, avec ça? 6%. 6% de vie en moins. Bah Ça ouais. sur chaque main en plus. Ouf, il met tout Oula, bien. ok. Ok, monsieur. Ok, il perd sa première forme du coup. On va mettre l'artificier hein, pour gérer ça. On prend ses sons plus. Non, ça va, son électro-dragon va être très chiant par contre. Aïe. Aïe, monsieur, ça fait Ouais, mal ce ça. qui était embêtant si tu faisais une roquette ici, c'est qu'il y aurait eu les bats et la guérisseuse survivait. C'est ça. Donc, et puis t'aurais encore eu les blobs et t'avais pas assez d'élixir pour le gérer. Tu sais, j'étais en mode, je sais pas s'il fallait roquette ou pas, mais en fait, le fait que la guérisseuse survive à roquette, c'est vraiment embêtant quoi. Mais c'est incroyable ça. Oh. Après, y a pas le temps. Hein. Et les drags, il va te finir les free pan en plus. Ouais, Mais il est bah en train comme de quoi montrer un bon la gros niveau de guérisseuse jeu en ça vaut le face. coup. Il a bien forcé. Ouais, je suis le barbare, ouais, ok. On sait. J'avoue qu'il a mis quand même premier peu, genre c'est incroyable, il a mis guérisseuse direct golem d'élixir avec guérisseuse et sorcière de nuit. Plus hydrague au pont. Ouais. Ah bah ça, c'est un vrai joueur de foi. Hein. Mais c'est vrai que bah, Hydreig, il l'a mis au moment où tu pouvais plus roquette. Et avant, si tu faisais une roquette, c'était pas incroyable non plus, donc c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Ok, Bien tu l'as joué. tendu en moi. Pas très complexe, monsieur. Ok, est-ce Ouais. qu'il met son hydrague ou pas? 10 d'élixir, je pense qu'il va le poser. Ouais. Allez. Oh, c'est dur de gérer les hydrags avec ce deck aussi. Là, il a plus grand chose de seul. Hein. Il est obligé de guérisseuse, fuite barbare. Ouais. Oh, Ça donc il marche perd plus déjà. quoi. Il va full def, il va full def. Ouais. Non, j'ai été meilleur. On a senti qu'il était meilleur. Dès la dès 15 secondes de jeu, on a senti qu'il commençait à être meilleur. Après, il a posé Dès qu'il a Hydreig, posé il son était golem meilleur. d'élixir, je savais qu'il avait gagné quoi. Ça se voyait à comment il l'a posé et tout, genre la Ouais. conviction. Ouais, puis quand il a posé l'électro-dragon, là, c'était beau aussi. Bon, comme quoi, ça J'avoue. marche toujours, hein, comme d'élixir. Ouais, comme quoi, genre malgré son nerf avec guérisseuse. Ouais, bah, à partir du moment où t'as guérisseuse, c'est vrai que le fait que t'aies Après, beaucoup de j'avoue que j'ai vie. pas vraiment le bon match-up. Tu... Genre, Ouais. c'est... Enfin, cette tornade m'a fait très très mal, pourtant j'ai essayé Ouais. d'espacer la prince. Ouais, Ça c'est vrai, c'est vrai. m'a fait quand même super mal, quoi. Alors que j'ai rajouté un gang et tout, genre. Ouais, je suis d'accord. Non, et puis le problème, c'est ça, c'est comment tu gérais les bats et les blobs derrière. Enfin, ça aurait été embêtant, quoi. Oh! Où des sapeurs, hein. Mais pas manqué. Toi, bon. Ça tend à. Ouais. Une version bat. Ok, c'est la one shot, on le sait. Et. Ouais. Attractive. Bien joué. C'est Bah, c'est vrai que vu gratuit. que ça joue mineur, c'est pas déconnant. Hein. C'est ça. Ça joue sapeur aussi, du coup. Ça peut être Ouais. intéressant. C'est ça. Tu sais si un sapeur seul, si le roi est activé, si ça. S'il connecte pas? Oula, ça, je ne sais pas du tout. Il me semble, mais je suis pas tout à fait sûr. Ok, mineur. C'est bien défendu. Quel joueur? Tour à bon, chez Boas, tour à bon, putain, c'est vrai que
D'un jour à l'autre, elle est devenue méta comme ça. C'est alors qu'on la voyait Ouais, absolument on la voyait pas. Ouais. jamais nulle C'est depuis part. qu'il y a le golem d'élection en fait. Depuis qu'il y a Exactement. le golem d'élection, Ouais. les gens ont vraiment bien vu que la carte était un peu très forte. Bah moi, elle me semblait pas nulle non plus avant qu'on la voie avant le golem d'élixir, mais j'étais un peu surpris qu'on la voie pas du tout. Et du coup, ça m'a pas trop surpris quand on l'a vue à fond. Là, par contre, vu qu'on aura plus trop de golem d'élixir, ça m'étonne de la voir, tu vois. Genre. Donc ça va être chiant. Parce que pour 4 d'élixir, t'as Tesla aussi, hein, qui est forte. Hein. C'est vrai. Ah mais la Tesla, elle tape pas en zone, tu Ouais, c'est une question de point de vue, ça. vois. Tellement mal la Tesla que des fois on se demande. C'est vrai. Qui était devant, hein. Il a 6 d'élixir. Ouais, et puis tour à bombe, elle dure plus longtemps aussi sur le terrain. C'est un peu plus. Ouais. Un peu plus de lifetime. Oh, c'est bon, il la tue pas, il la tue pas. Ça a pas mis assez de dégâts, parfait. Bien joué ça. Il va regobler. Ah, IMK? Wow. Je n'entendais pas MK là. Moi non J'étais plus. pas prêt à ça moi. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il fait dans le deck lui? Ce n'est pas une Valkyrie, c'est un MK. Je Ouais, paniquais c'est monsieur. bien défendu. Ça va, ça va. Ça active la tour du rôle ou pas? Oh Oh. non. C'était volontaire hein, de ta part. Oui, clairement, enfin tout était calculé, bien sûr. Non, il joue la surprise pour se mettre à votre niveau. Mais... Aïe. C'est vrai qu'elle est embêtante à gérer. Hein. Je me demande d'ailleurs si une version avec flèche à la place de tabuche, ça serait pas mieux. Étant donné Je qu'il sais y en pas, a je plein. t'avoue. Ouf. Allez, tu les tues. Il ah, y en a un. La tour du roi? Ouais, tu vois, la tour du roi, elle est passée Ah, rapidement. ouais. Non, en même temps, j'ai sa peur, quoi. Il a vraiment tout pour toi, en fait. Incroyable. Ouais. La tour du roi. Mais encore une fois, hein, du mineur, hein. Mineur bûche, tout ça. Difficile, quoi. C'est pas la même version contrôle, mais ouh, ta princesse à droite, c'est pas mal par contre. Hein. Il va devoir remettre une firecracker dessus. Et là, c'est très bien joué ce que tu viens de faire. Tu mets énormément de dégâts sur la toit bombe, tu gères la firecracker en face. Barre-toi, 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 cours! On se mettra même pas un coup. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. Puis à gauche, tu vas devoir redé. Ouais. La def est clean, hein, cependant. Ça aurait pu vraiment être pire. Hein. T'es en x3 là, hein, t'es en x3. Hein. C'est ton mode de jeu. Hein. Ouais, je sais, je sais. Par contre, il joue méga chevalier, ça peut être embêtant ici, ça, en x3. Non, c'est propre, les fripons. Ça marche en plus, hein. Bien joué. Non, je prends une connexion de sapeur. Ouais, je Je pense aussi, hein. pense. Quoique. Non, non. Non! Allez! Bien joué, fripon. C'est Big Boy. Par contre, à gauche, la Firecracker, elle te met super cher sur le roi à chaque fois. Oui, je vois ça. Et y a rien, tu peux pas aller chercher. Y a trop de swarm, y a trop de trucs là. Ouais. Non, il n'y a pas une. C'est juste grâce à ça, hein. C'est grâce à sa propre artificiel, hein, qui t'a mis des dégâts dessus. C'est dommage, j'ai jamais eu rien à dire. Bon, Ouais. on s'est tapé deux matchs. Deux match-up durs, hein. Les mineurs là, c'est vraiment tendu. Hein. Là, j'aurais eu les flèches, tu vois, j'aurais gagné, je pense. Ouais. Flèches, je dirais la, comment dire, l'artificière, je dirais les sapes fins, ouais, j'aurais été trop bien. Tu penses que pour la. Juste pour deux, trois, une ou deux parties pour la fin de vidéo, on peut tenter une version flèche, voir ce que ça donne? Comment? Oh, vas-y, let's go. Ah, peut-être qu'il te reconnaît. Ah non, c'est bon. Il voulait faire une émote de cochon avant d'envoyer un cochon. C'est un joueur RP en fait. Ok, il va t'envoyer un sorcier maintenant. La cime à sourcil, j'aurais rigolé. Ça aurait été énorme. En vrai, Pourquoi c'est un lui? concept ça. Tu fais une vidéo où à chaque fois tu mets les modes de la carte que tu as joué avant. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Est-ce qu'il y a assez d'émotes en tout cas pour jouer toutes les. Il y a la quoi? Il y a la princesse, les squelettes. Ouais, il y en a pas mal Il y a en moyen, en vrai. vrai. Ça ferait un dé bizarre, mais oui. Ok. Bon, un espèce de. Ah non.
J'ai un espèce de 2.6 avec la Firecracker, mais pas du tout. Je crois que ça connecte pas, j'ai pas besoin de défendre. Non, non, tranquille. Il fait peur, mais il touchera pas la tour. T'es un petit peu devant. C'est possible que ça joue au Rocket, du coup, en face. Tu sais, c'est la version avec Princesse. Ouais, au Rocket, normalement. Ouais, ouais, ouais. Des fois, il y a des filous qui jouent gel, mais généralement, c'est Rocket, quand même. Ah, mais c'est pareil. Non, non, c'est bon. J'ai peur quand même. Mais c'est vrai qu'en soi, remplacer la princesse, c'est pas déconnant non plus dans son deck, je pense. Mais il va être obligé d'aller gérer la princesse en plus. Ouais. Bat, ouais. Mais beaucoup encore de lectures, pas grand chose finalement. Yes. Ouais, c'était bien joué le fion. C'est bien de tenter de brain les bûches. Il va connecter. Ouais, oh, il est obligé de rester. Ouais. Il a 3 d'élixir. S'il rajoute rien à droite, tu peux le laisser mourir, je pense. Hein, tu as def quand même. Ouais, tranquille. Même si elle met quand même un coup. Mm. Il va être obligé de défendre la princesse de toute façon. Ouais, qui est par la gauche. Je crois qu'il met 0 coup avec tout ce que t'as mis. Hein. Ouais. Oui. Ça évite les ennuis de faire ça. Hein. Encore un coup ? Yes, let's go ! Bien joué le prince, hein. Ça l'empêche de cochon comme il veut. J'étais sûr qu'il allait faire une chose comme ça. Là. Ouais, qu'il allait pas l'envoyer au final, ouais. Ah, je suis sûr qu'il allait mettre un mini PK, monsieur. Ouais, mais au final, il perd quand même pas mal de decks, ça tue. Bon, là, il va repartir en cochon, du coup. Ouais. Ok, il va connecter un coup, du coup. Ouais, un coup. Donc là, il a son esprit de glace, il a sa bûche, il a ses bêtes. Ça va, mini PK, c'est lui coûté assez cher. Oh, ta princesse! Oui! C'est ça qu'on veut. Et là, il a rien, hein. Il est embêté, hein. Il est obligé de recycler pour en remettre une. Ouais. Bien joué, ça. Allez, rate la bûche. Ouais, c'est parti. Princesse qui survit. Redef à gauche, par contre. Je pense qu'il fallait rocket ici. Hein. Je pense aussi. Ouais, faut que tu rocket un peu plus. J'ai pas de rocket en défaut, ouais. Ouais, ouais. Bon, ça va venir, mais si tu t'habitues un peu plus, il y a des fois, ouais, il vaut un peu mieux. Mais tu vois, avec la bûche, que j'aurais défendu, quoi. Ouais, je sais, ouais. En fait, avec les pièges, genre, je suis pas en mode. Je sais pas le réflexe que j'ai utilisé. Ouais, je comprends. Ok, fuit de barbare, intéressant. Surtout en premier play, contre un lockbait, c'est intéressant. À qu'on le conseille, hein, bien entendu. Oula. Bah, c'est un ballon. C'est quoi, ça, ballon? Ouais, je pense. Mineur, du coup, donc ça va être chiant. Ok, je vais mettre. Ouais. Oula, moi je vais essayer de gratter la mousquetaire, c'est pas grave. Tant pis, hein. Ouais. On va assumer les dégâts. C'est ça. Il a 6, donc peut-être TLE, peut-être tour à bombe. Ouais, je vais pas, je vais me permettre de faire ça. Bah, je sens qu'il a galéré, hein. Il va galérer à défendre ça. Bah, quoique, les bats. Ouais, mais non, il va galérer quand même. Il a 3. Ouais. Bah, GG. Il va revoir à sa tour, quoi. Bah, GG. Bah, il était très agressif au début, j'ai pu. Ouais, il était super agressif, hein, c'est clair. Avec un deck qui est normalement censé être plus tempo, plus niche. C'est ça. C'était pas mal ce qu'il a fait. Ouais, c'était pas trop mal. 3, 4, ouais, il y a pas beaucoup. 5. Et donc, on sait toujours pas si c'est tour à bombe ou T2. Ça, c'est triste. Ouais, petit mineur. Non, on va garder l'artificier en vie. Du coup, je vais la garder en vie, on va vraiment. Et là, elle va gratter avec le golem de glace. Et là, ça fait tellement mal. Encore. Allez, Penny. C'est bien, Penny. C'est vrai que c'est gravement Penny en deux pour Brawl Stars. Hein. Mais d'ailleurs, c'est dommage que les personnages soient pas nommés comme Brawl Stars parce qu'au final, c'est mieux de dire Penny que Arquebusier. C'est ça. Bah, ils ont enlevé Arquebusier maintenant. Ils ont fait la. Et maintenant c'est artificiel hein, partout. Ah ouais, moi c'est bien, ils ont raison. Ouais, c'est pas cube, ouais, c'est artificiel. Ils ont changé ça. Parce que j'avoue que c'était un peu bizarre. Ouais.
Parce que ouais, Romum, il expliquait, il disait, ah, l'univers de Clash Royale, un pêcheur, ça pêche, un chasseur, une mousquetaire, c'est une mousquetaire. Ce qui tient, mais c'est vrai que je préfère quand les personnages, ils ont des noms. Ok, Brat, Brat, c'est bien ça. Oh là là. Oh le taf de là, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement, elle a mis de ses pressions. Puis à chaque fois qu'il y a des golems de glace comme ça, tu mets tellement de dégâts hein, quand ça splash derrière. C'est incroyable. Ouf, oh là là, enfin mousquetaire. J'aimerais bien prendre le tour quand même. Ouais, bah pour le pass quoi, hein. Encore une fois, hein, il faut faire le pass. C'est ça. Ok, bien joué ça. Puis bientôt l'heure de la banque du pass aussi, donc. On n'a plus qu'à cycler hein, de toute façon. Ça devrait le faire. Bah les flèches finissent, hein, vu qu'il a mis son game de glace, après ça, ça gratte. Exactement. Nice. Oh, y'a quel joueur. Bon, en plus, c'est pas un match-up évident de base, hein, celui-là. Non, mais j'avoue qu'il a mal joué au début, quand même. Ouais, bah tu l'as bien puni aussi. Hein. Le fripon prince, ça fait tellement mal, c'est genre en mode, bon bah, bon courage. Hein. Bon courage, bah, je prenais ça, j'avoue qu'avec Jean au cimetière, j'étais en mode, bon bah, c'est cool. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un deck très intéressant, mais j'avoue, je préfère quand même avec la bûche que les flèches. Ouais, tu préfères bon, avec après, la bûche, hein. Ouais. Mais en fait, la bûche, c'est mieux pour défendre tout, voilà, les cochons, etc. Tu vois, genre, ça permet quand même ouais. de reculer tout ça. Alors que les flèches, certes, ça va tuer l'artificier à chaque fois, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Certes, elle nous a posé des problèmes sur une ou deux games, mais en gérant un peu mieux, parce que dites-vous que genre, ce deck, je le maîtrise pas sur le bout des doigts encore. Genre, je vais peut-être m'entraîner avec, genre, vraiment, tu vois, le pousser au bout de ses, ouais. bout de ses capacités, mais genre, quelqu'un qui maîtrise bien ça sur le bout des doigts, je pense qu'il aurait pas perdu les games que j'ai perdu. Ouais, 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 c'est vrai que Morten par exemple, il fait des 12 inspire des filles sans trop de soucis avec. Hein. Non, c'est clair. C'est vrai que Bush permet aussi de gérer un peu les béliers, genre de trucs hein, un peu plus facilement. Un peu plus de contrôle, quoi. En tout cas, merci beaucoup, hein, Walouf. Pour rappel, hein, il a sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker juste en description. Allez vous abonner à sa chaîne. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Simplement, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires à l'habituel. Ciao tout le monde.